Repasser de 110 à 130 km/h, c'est l'objectif du recours gracieux déposé par le maire de Bruguières contre l'arrêté préfectoral de novembre 2017. En effet, celui-ci impose depuis le début de l'année d'abaisser à 110 km/h la vitesse entre la barrière de péage de Toulouse-Nord et l'échangeur numéro 11 de Saint-Jory, et ce, dans les deux sens. Une mesure jugée discriminatoire par l'élu. On a l'impression que vraiment ça touchait que ce tronçon. Il y a quatre entrées d'autoroute, une sortie au niveau de l'agglomération toulousaine. Un seul tronçon impacté par cette limitation de vitesse à 110, qui nous paraît injuste pour différentes raisons. Aussi la double peine, parce que les autoroutes, les tarifs vont augmenter. On attendait plutôt l'inverse, la diminution des tarifs. Voilà, donc on a ce sentiment que encore ce secteur nord est impacté et pas de bonne façon. Bruguières, mais aussi la mairie de Saint-Jory, ont décidé de déposer le même recours gracieux contre cet arrêté. Depuis un mois, les automobilistes sont obligés de lever le pied sur ce tronçon de 7 km, une mesure censée aider à la diminution de la pollution. Pour moi, c'est n'importe quoi, ça ne sert absolument à rien. Voilà, pour la pollution, c'est nul, il n'y a aucune retombée. Je vois pourquoi on fait ça. Quoi. Je trouve ça inadmissible, l'autoroute, on l'a payé le même prix. Donc, par contre, on a un service réduit. Si aujourd'hui, c'est passé à 110, c'est qu'on a un vrai problème de pollution, et surtout avec tous les bouchons qu'il peut y avoir, je pense qu'il faut s'y conformer. Le préfet a 2 mois pour répondre favorablement ou non aux demandes de recours gracieux. Si une baisse de 30% de dioxyde d'azote est enregistrée sur ce secteur à la fin de la période de test, cette mesure pourrait être développée sur l'ensemble du réseau autoroutier aux abords de Toulouse.